My name is Sukhdeep, I'm a brother of a, a family. I'm talking for my whole family. I just want to tell all the people who are watching me right now through all this media. Every store. Gas station Everybody who ever have the cameras please check the camera if you guys have any helpful tip or video please provide it to the sheriff department or law enforcement department they're trying their best of what they can do but we need a public help right now Salutations mon cher Panda moi c'est Sarah alors du coup désolé la dernière fois j'ai eu un problème de micro euh, magnifique micro qui, qui, qui marchait très bien en fait j'ai pas retrouvé le fichier audio je sais pas où est-ce qu'il a été enregistré puis j'ai fait la connerie de lui donner euh, un titre introuvable euh, donc désolé là on devrait avoir la bonne qualité de son j'ai pas ma caméra avec moi donc c'est mon iPhone mais a priori la, la qualité de, de l'image est euh, ouais, je pense qu'elle est euh, qu'elle est aussi bien que, que quand j'avais la caméra en tout cas, au moins là, j'aurais pas le problème de. Euh, des fois, c'est flou, des fois, c'est pas très très net. Je sais pas servir de cette caméra. Là, au moins, avec l'iPhone, il euh, a pas de réglage à faire. Avant de commencer, question, qui n'a rien à voir, mais j'étais en train de me, me préparer, me make et je me suis posé cette question. Avant d'aller te coucher, qu'est-ce que tu regardes sur ton téléphone Qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone Si tu as des suggestions, si tu as des recommandations, des trucs sympas euh, pour, euh, pour aller dormir, je sais pas trop quoi regarder. Je veux pas de, de crime parce que. Voilà, ça suffit. Alors bouffe, pareil, bouffe. Euh, en ce moment, ça, ça, enfin, ça m'intéressera toujours, mais avant d'aller dormir, ça crée quand même une frustration, j'ai l'impression, et ça crée euh, des rêves, euh, des rêves boulimiques. Donc, euh, je sais pas. Si t'as un truc que, que toi t'aimes bien particulièrement et que tu, tu regardes pour t'endormir, et ben, et ben, balance ça en commentaire. Et trêve de blablatterie, on y va. Notre affaire se déroule le 3 octobre 2022 en fin de matinée, à 11h39 précisément. Une voiture de patrouille de la California Highway répond à une alerte. Un camion, un pick-up, est retrouvé sur cette autoroute. Il est en flammes. Il s'agit d'un Dodge Ram année 2020. Tout de suite après l'intervention, les agents contactent les services de police du comté de Merced afin de retrouver le propriétaire du véhicule. Environ une heure plus tard, on parvient à obtenir l'adresse du propriétaire de cette Dodge Ram. Des officiers se rendent à son domicile, il est exactement midi 35. Sur place, ils pensent trouver Jasleen Kaur et Jasdeep Singh, un couple. Ils sont âgés respectivement de 27 et 38 ans. Ils ont un enfant de 8 mois, une petite fille qui se prénomme Aloy. Le couple et leur fille sont absents. La personne qui leur ouvre la porte, c'est un membre de leur famille. Cette dernière informe la police qu'elle n'arrive pas à entrer en contact avec Jaslyn et Jasdeep. Les officiers tentent à leur tour de les contacter, de leur téléphoner. Ils essayent aussi de joindre Amandip, qui est le frère de Jasdeep, puisque lui aussi ne donne plus de nouvelles. Alors, qui sont Jaslyn, Jasdeep leur fille est Amandip. Cette famille est originaire de la région du Punjab, région située au nord de l'Inde. Pour information, le Punjab est une région du sous-continent indien comprenant à la fois une grande partie de l'est du Pakistan et du nord-ouest de l'Inde. Cette région, c'est le cœur de la communauté sikh dont fait partie la famille Singh. Le sikhisme est une religion monothéiste fondée dans le Punjab. C'est la cinquième religion en Inde par nombre de croyants avec environ 30 millions de pratiquants. Revenons maintenant à la famille Singh. 16 années plus tôt, ils avaient décidé de poursuivre le rêve américain. Ils se sont installés aux États-Unis où vivait déjà une partie de la famille. S'ils considéraient la promesse d'une vie meilleure dans un pays étranger, cette démarche, elle s'inscrit aussi, d'après un ami proche de la famille, par la tendance de la communauté indienne à envoyer les enfants s'installer et prospérer à l'étranger. Le père de famille qui s'appelle Randhir Singh, donc qui est le père de Jasdeep et de Deep, il avait décidé quelques années plus tôt, enfin, il y a très longtemps, d'aller s'installer aux États-Unis pour y vivre sa retraite. Il a eu une brillante carrière de médecin au sein du gouvernement et quant à son épouse, Kirpal Kaur, elle a travaillé comme enseignante dans une école publique. Elle aussi a pris sa retraite avec son mari pour réaliser le rêve familial d'aller s'installer à l'étranger. Dès leur arrivée, en 2006, la famille Singh s'enracine dans leur nouvelle vie. Leur maison se situe en Californie. Amandeep et Jasdeep, leurs fils, sont à l'époque encore étudiants. Ils terminent donc leur scolarité dans leur nouveau pays de résidence. Les frères travaillent dur. Ils entreprennent la création d'une société de transport. Cette société, ils la nomment Unison Trucking et elle se situe dans le comté de Merced, en Californie. Au passage, les Sikhs, Punjabi sont très présents dans le secteur du transport de marchandises en Californie. Beaucoup d'entre eux conduisent des camions ou possèdent des sociétés de transport. En 2019, Jasdeep se marie avec jaslyn Kaur. Leur union sera célébrée en Inde et après avoir fait toutes les démarches auprès de l'immigration, ils se retrouvent deux années plus tard aux États-Unis. En février 2022, le couple donne naissance à une petite fille, Alouri. Amandeep, le frère de Jasdeep, est marié également. Son épouse s'appelle Jasprit Kaur. Ensemble, ils ont deux jeunes enfants, Ekam, 6 ans, et Sirat, 9 ans. Comme je le disais plus tôt, suite au pick-up, le Dodge Ram qui a été retrouvé en flammes sur l'autoroute, la police se rend au domicile des Singh. Ils y rencontrent des membres de leur famille qui sont inquiets de ne pas avoir de nouvelles. Les officiers décident alors de se rendre à l'entreprise familiale dans le comté de Merced. A l'aide des vidéos de surveillance, voici ce qu'ils découvrent. À 8h30, Jasdeep arrive sur place, à bord d'un minivan, de couleur marron. Neuf minutes plus tard, donc à 8h39, c'est Amandip qui arrive à son tour dans son pick-up, la Dodge Ram de couleur noire, celle qu'on retrouvera plus tard en flamme. À 8h59, on aperçoit sur les images un homme en train de marcher. Il est en provenance de l'autoroute 59 et il se rend jusqu'au local de l'entreprise de la Famissing. Il tient à la main un sac poubelle de couleur blanche. Jasdeep sort du local pour aller à sa rencontre. Il est sur son téléphone portable. Deux hypothèses sont démises. Jazdeep a un chien, on le voit sur les images de surveillance à l'arrivée de son maître au travail, il est avec lui. Il est possible que ce soit les aboiements du chien qui aient alerté Jazdeep de la présence de cette personne. Autre possibilité, ce sera une application sur le mobile de Jazdeep, application qui permet de consulter en temps réel les images des caméras de surveillance. Pour information, les caméras sont sensibles au mouvement, donc dès qu'elles détectent... Un mouvement, elles le suivent. Jazdeep marche jusqu'au niveau de l'homme. Il prend contact avec lui. On ne sait pas ce qu'ils se disent. Malheureusement, il n'y a pas le son. Après un bref échange, les deux hommes se dirigent vers le local. Jazdeep s'introduit dans le local, suivi par cet individu. L'homme en question se retourne vers la caméra. Il va la regarder pendant quelques secondes. Détail important. Cet inconnu, on constate qu'il porte un masque de protection. Respiratoire, enfin un masque pour protéger du Covid quoi. Enfin protéger. Bref, c'est pas la question. On ne voit que les yeux de cet homme, puisqu'en effet, il porte également un sweatshirt dont la capuche est relevée. Enfin, relevée même très, très serrée autour du visage. L'homme en question continue de suivre Jazz Deep et alors qu'il est toujours à l'extérieur, sur la rampe d'accès au local, il dépose rapidement le sac poubelle par terre, il sort une arme à feu, jusque-là dissimulée dans la poche de son pantalon. Il s'introduit à son tour dans le local et on ne sait pas ce qu'il se passe à l'intérieur. Les caméras de surveillance sont malheureusement uniquement à l'extérieur. Plus tard, sur ce même enregistrement vidéo, aux environs de 9h, on aperçoit Jazdeep et Amandip qui sortent du local. Leurs mains sont attachées dans leur dos par des colliers de serrage, qu'on appelle aussi des attaches câbles. Jazdeep et Amandip sont suivis par l'inconnu qui pointe son arme à feu vers eux. Il les conduit Jusqu'au siège arrière du minivan marron qui appartient à Jazz Deep. Le suspect s'introduit à l'avant et démarre la voiture à 9h13 exactement. Six minutes plus tard, le véhicule réapparaît sur les images de vidéosurveillance. Le suspect en sort, il est seul, il retourne dans le local. À 9h20, les images montrent le suspect conduisant cette fois Jaslyn, la femme de Jazz Deep. On fait une petite pause de juste 5 secondes. Parce que là, il y a une très grosse question que je me suis posée, à laquelle malheureusement je n'ai pas trouvé de réponse. Pourquoi Jaslyn est là, en plus avec un bébé de 8 mois, à quel moment est-ce qu'elle est arrivée On ne la voit pas arriver au début avec Jasdip, son mari, et avec le chien, on voit le chien sortir. Du, du minivan, mais on la voit pas elle et on voit pas la petite. Alors attention, ça veut pas dire qu'ils sont pas arrivés tous ensemble. J'ai pas accès à l'entièreté de, des images de vidéosurveillance ce jour-là, j'ai seulement eu accès à ce que la police a rendu public. Donc c'est possible qu'ils soient arrivés tous ensemble, mais quand bien même ils seraient arrivés tous ensemble, en fait, qu'est-ce qu'elle fait là Donc le suspect l'a fait sortir. Du local avec son bébé, la petite Haruhi, qu'elle porte dans ses bras. Contrairement aux deux frères, on s'aperçoit que Jasmine et Haruhi ne sont pas restreintes par des colliers de serrage. L'inconnu les fait aussi monter dans le minivan et il part en direction du sud sur l'autoroute 59. Après cet enlèvement, hormis ces images, il n'y a aucune trace des quatre disparus. Les images qu'on a vues en début de vidéo, c'est un des frères de la famille qui implore la population le moindre élément, la moindre information pourrait être précieuse, surtout quand il s'agit d'un enlèvement, chaque seconde compte. Randir Singh, le père de Jasdeep et Amandeep, âgé de 72 ans et Kirpal Kaur, leur mère qui est âgée maintenant de 68 ans, ils apprennent la nouvelle de cet enlèvement alors qu'ils sont en pèlerinage à Rishikesh dans le nord de l'Inde. Le couple âgé est dévasté, comme on peut L'imaginer, ils retournent dans leur village natal de Halsipind. Ils attendent le premier vol pour retourner dans les jours qui suivent aux États-Unis. Les habitants de Halsipind et des villages voisins se rassemblent au domicile de la famille Singh. Ils aident comme ils peuvent, ils prient, surtout ils prient pour que les personnes qui ont été enlevées rentrent saines et sauves. Tandis que la famille peut compter sur la persévérance de la police du comté de Merced, le consulat général de Asian News International prend contact avec la famille pour leur apporter... L'aide nécessaire. Du côté de l'enquête, très rapidement, le bureau du shérif parvient à identifier l'homme sur la vidéo. Il s'agit de Jesus Manuel Salgado, un homme de 48 ans. Le 4 octobre, lors d'une déclaration, le shérif Vern Warnke déclare penser que la famille a été enlevée contre son gré, mais il ne parvient pas à établir quelles sont les motivations d'un tel enlèvement. Nous savons seulement qu'ils sont partis, déclare-t-il. Nous avons besoin de votre aide afin de les ramener chez eux sains et saufs. Il explique également quels moyens sont déployés par les autorités, détectives, hélicoptères, etc. Aucune rançon n'a été demandée par le suspect. Suspect pour lequel il demande également l'aide du public pour l'identifier, puis l'appréhender. Dans un premier temps, le shérif ne révèle pas l'information. Ils ne disent pas tout de suite au public qu'ils savent de qui il s'agit. Pourquoi c'est une excellente question Le 5 octobre 2022, lors d'une conférence de presse, des membres de la famille des quatre disparus, visiblement bouleversés, appellent à la vigilance du grand public à un niveau national. Ils appellent aussi à la vérification des caméras de surveillance des commerces environnants, ce qui permettrait peut-être d'en savoir un peu plus sur la localisation des quatre membres de la famille Singh. Lors de cette conférence de presse, Corey Gibson, qui est shérif adjoint, déclare qu'un incident a eu lieu, un incident qui s'est déroulé le 4 octobre, soit la veille, aux environs de midi dans la ville d'Atwater, et cet incident serait connecté à l'affaire des disparitions. Sur les images de vidéosurveillance d'un distributeur automatique, on aurait aperçu Jesus, le suspect, en train d'effectuer un retrait avec une carte bleue appartenant à la famille Singh. Plus tard, cette information sera démentie. En réalité, il ne s'agissait pas de Jesus, mais Jesus finira quand même par être interpellé. Juste avant l'arrivée des forces de l'ordre, qui sont là, bien sûr, pour l'arrêter, Jésus tente de mettre fin à ses jours. Je ne vais pas donner de détails, mais sache qu'il est pris en charge par une ambulance, il est conduit à l'hôpital, hôpital dans lequel il est soigné en urgence, et il survivra à cette tentative d'échapper à la justice. Le shérif adjoint informe le public de l'incapacité des enquêteurs à interroger le suspect, en tout cas pour le moment. Ils sont dans l'attente du rétablissement de Jésus avec espoir qu'il coopère ensuite. Le shérif Warnky pense qu'une autre personne est impliquée dans ces disparitions, dans ces enlèvements, mais il n'en a pas la certitude. Le FBI, également impliqué, tente d'éclaircir les motivations, possiblement financières, de ces enlèvements. La Dodge Ram qui a été retrouvée sur le bord de l'autoroute 59, malheureusement on ne peut rien en tirer. Tout élément, toute preuve a été consumée par les flammes. Les téléphones portables de Jazz Deep, Jaslyn et Deep seront retrouvés sur le bord de cette même... Autoroute comme si le suspect s'en était débarrassé en les jetant par la fenêtre. Le mercredi 6 octobre, un ouvrier est en plein travail dans sa ferme lorsqu'il s'approche d'une zone isolée près d'un verger. Aux environs de 17h30, il tombe sur les corps sans vie de quatre personnes. Il contacte immédiatement les autorités. Dans cette zone rurale, les officiers du comté de Merced retrouvent les corps des quatre disparus Amandip, Jasdeep, Jaslyn et la petite. Alois, ils sont tous près les uns des autres. Les corps sont dépourvus de leurs bijoux et l'élément qui glace le sang, c'est le fait que selon le rapport de police, la petite Alois est morte d'exposition. C'est la seule qui ne présente pas de traumatisme physique. Rezus a froidement abattu les trois adultes, Amandip, Jasdeep et Jaslyn. Il les a tués à coups de feu, mais la petite a tout simplement été laissée près des corps sans vie de sa mère, son père et de son oncle. Alors que Randhir et Kirpal, les parents de Jasdeep et Amandeep, n'ont même pas encore atterri sur le continent américain, on les informe de la tragique nouvelle. Le shérif du comté répondra à cette découverte en exprimant sa colère et sa stupeur. Il y a une place spéciale en enfer pour ce type, dira-t-il de Jésus. C'est horriblement, horriblement insensé. incident. Dans la soirée du 6 octobre, une nouvelle conférence de presse a lieu, cette fois pour avertir le public que le bureau du shérif n'a toujours aucune idée des motivations de ces meurtres. Le jour suivant, Jesus est inculpé. Pour les quatre enlèvements et pour les quatre meurtres, il est envoyé à la prison du comté de Merced. La procureure du comté, Kimberly Lewis, déclare qu'elle n'élimine pas une éventuelle poursuite de la peine de mort. Son bureau s'en réserve le droit, même si on sait que ça crée certaines exigences au tribunal, notamment des exigences, enfin, ça, ça coûte de la thune. Quoi. Par contre, là, on a un gros problème, donc il faut que je fasse une, une parenthèse importante et nécessaire sur la peine de mort. En 2019, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a mis... Newsom 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 Je crois que j'ai mal écrit. Le gouverneur de, de l'époque, je crois que c'est toujours le gouverneur aujourd'hui, il met en place un moratoire sur la peine de mort. Ce que ça veut dire c'est que bah, euh, concrètement, elle n'est pas abolie. Elle est toujours légale dans l'État de Californie, mais elle n'est pas exécutable. C'est ça que ça veut dire un moratoire. Le gouverneur estime que c'est une sentence qui est injuste et raciste et qu'elle n'a rien à voir avec la justice avec un grand J. Il déteste la peine de mort, c'est le moins qu'on puisse dire. Après le moratoire, il met en place un démantèlement du couloir de la mort. Ça a eu lieu assez récemment et c'est encore en cours. Ce que ça veut dire pour les euh, presque 700 détenus qui sont dans le couloir de la mort aujourd'hui, en Californie, c'est qu'ils vont tous être transférés vers d'autres prisons. C'est des prisons qui sont dans le même état, hein, qui sont toujours en Californie, mais ce c'est pas... Bon, pas une prison couloir de la mort qui est réservée rien que pour eux. Ils pourront être avec euh, d'autres personnes, se faire des copains, euh, trouver du taf, euh, tout ça. Je pense que ce que ça veut dire, c'est peut-être bientôt une abolition de la peine de mort. Mais en attendant, c'est très compliqué de l'obtenir, puisque même si elle est euh, sous moratoire, je sais pas comment on dit, mais même si elle est moratoire et même si c'est difficile de l'exécuter, Bon, je pense que la procureure, elle est tellement, euh, elle est tellement écœurée par, euh, par, par cette affaire que le fait qu'elle dise vouloir demander la peine de mort, je, je pense que ça en dit long sur ce qu'elle ressent par rapport à cette affaire. Elle ne va pas lâcher le steak et je pense qu'elle a raison. Alors, chez les Salgado, on fait les choses en famille. Le frère cadet de Jesus, qui s'appelle Alberto, il est aussi arrêté pour association de malfaiteurs et destruction de preuves. On pense en effet... Qu'il a aidé son, son grand frère, hein, son aîné de, de 7 ans, à commettre les meurtres. Son arrestation le conduit dans la même maison d'arrêt que celle de son frère, Résus, et ils sont tous les deux détenus sans caution. Alors, qui est Résus Manuel Salgado Bon, j'annonce tout de suite la couleur Alberto, il n'y a pas grand chose sur lui, sur le, le petit frère. Résus, bon, il n'y a pas grand chose non plus, mais le peu qu'il y a, tu vas voir que c'est. Euh... Je, je te laisse décider ce que c'est. Résus, c'est un homme âgé de 48 ans, en tout cas au moment des faits, donc en 2022. C'est un résident du comté de Merced, d'après son casier judiciaire. Oh bah oui parce que t'imagines bien qu'il a un casier judiciaire. Il a été condamné en 2001 pour possession de méthamphétamine. Alors c'est 2001 donc c'est le début de sa carrière. Il s'échauffe. En 2005, alors écoute la bien celle-là. En 2005 il est incarcéré pour une très longue période. Il est relâché sous liberté conditionnelle. Pendant trois ans donc de 2015 à 2018 alors que s'est-il passé pourquoi il a été condamné pour euh, pour aussi pour, pour une aussi longue période il a été reconnu coupable d'une tentative de séquestration et d'un cambriolage avec une arme à feu au premier degré à l'époque enfin juste avant les faits il travaillait pour une société de transport routier ding 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 normalement ça te rappelle quelque chose il est licencié par cet ancien patron les raisons il le soupçonne de voler de l'argent, de se servir dans la caisse. Pendant une nuit, du mois de décembre 2005, Jesus se présente au domicile familial de son ancien patron. Il est vêtu d'un masque de ski, armé d'un pistolet. Encore une fois, ça devrait te rappeler aussi quelque chose. Cet ancien employeur, il a une fille qui, à l'époque, est âgée de 16 ans. Et ce jour-là, ce soir-là, elle est à la maison avec une amie à elle. Puis elle reçoit un coup de fil de papa. Au téléphone, son père lui dit « va voir maman » et demande lui de m'ouvrir le portail. En effet, le père de famille est en train de rentrer à la maison et il a avec lui un tapis qu'il vient d'acheter. L'adolescente s'exécute sans savoir que Résus s'est glissé derrière son père et qu'il a une arme pointée vers lui. Résus menace ensuite toute la famille avec son arme il attache les mains de son ancien patron avec du ruban adhésif. Ruban adhésif, collier de serrage hein, bon, t'as remarqué que le mode opératoire s'est perfectionné avec le temps. Résus rassemble ensuite toute la famille ainsi que l'ami de notre adolescente dans le garage, et dans ce garage, il y a un coffre-fort qui est rempli de pizzas. Non, je déconne, c'est un coffre-fort, hein, donc il euh, y a de la thune, il euh, y a des bijoux. Son arme toujours pointée vers eux, réseau ordonne à la mère de famille d'ouvrir le coffre afin qu'il puisse dérober l'argent et les bijoux qui s'y trouvent. Madame va se servir de la lampe torche de son téléphone portable pour illuminer la pièce pour ouvrir le coffre, et elle dira plus tard que quand le coffre... Elle l'a ouvert, elle s'attendait à entendre un coup de feu partir, elle pensait qu'il allait la tuer tout de suite. Une fois le coffre dévalisé, l'argent et les bijoux n'étant pas suffisants, pour Résus, il se tourne vers la mère de famille et il réclame son alliance. Et elle lui dit Tu veux mon alliance Il lui dit Détail important. Il lui répond Oui, madame. Bon, Résus est très poli Oui, madame, oui, monsieur, c'est comme ça qu'il s'exprime et c'est comme ça que madame va le reconnaître. Résus, c'est toi pendant les deux années où il a travaillé pour cette famille, entre 2003 et 2005, Jésus, quand on lui parlait, il répondait oui madame, oui monsieur. Donc euh, bah, elle a reconnu sa voix. Jésus, sûrement, euh, je ne sais pas ce qu'il a ressenti à ce moment-là, peut-être gêné, peut-être la honte, peut-être euh, peut les nerfs, je ne sais pas. Mais en tout cas, il demande à la mère de famille de ne pas utiliser son prénom. De toute façon, il est démasqué malgré son masque. Hein. Donc, donc comment elle l'appelle, en fait, on s'en fout. Elle, elle sait qui c'est. Après ça, Jésus force toutes les victimes à entrer dans la piscine, il les menace de les tuer s'ils si appellent la police, et puis il quitte les lieux. Alors pourquoi un bain de minuit avant son départ bon, Peut-être pour qu'il soit alourdi par l'eau et qu'il n'y ait pas de, je sais pas de course poursuite. Jésus, bien évidemment, est arrêté dès le lendemain matin, et il écopera d'une peine de prison ferme de 11 années pour ces crimes. Un mois plus tard s'ajouteront 8 mois d'incarcération pour possession d'une substance interdite. Après avoir purgé Plusieurs années, mais pas la totalité de sa peine, Jesus est libéré le 21 juin 2015, libération conditionnelle qui prendra fin en 2018. C'est-à-dire qu'après 2018, c'est un homme libre, il a aucune, aucune contrainte par rapport, à, par rapport à la justice. Après sa sortie de prison, pendant un temps, Jesus va conduire un camion pour la société de transport de la famille Singh à Merced. Il sera licencié en 2021. Exactement le même schéma qu'avec l'ancien employeur. Pour quelles raisons les frères Singh l'ont licencié C'est une question à laquelle pour l'instant je n'ai pas trouvé de réponse. J'espère qu'on en saura plus au procès qui devrait bientôt avoir lieu. Ce qu'on sait avec l'ancien employeur, c'est que Jésus était soupçonné de vol. Et la seule chose qu'on sait pour l'instant par rapport à la famille Singh, c'est qu'il y avait de mauvais rapports entre eux. Il y avait de mauvais rapports. Entre Résus et Jastip et Amandip. Pendant environ un an, donc après son licenciement de 2021, pendant un an, se leur envoyait des messages, des SMS, des emails. Dans certains messages, il réclame de l'argent, argent, argent qu'il dit euh, bah, bah, qu'on lui doit. Et dans d'autres messages, il est verbalement agressif et violent. S'il a cambriolé son ancien patron par vengeance, est-ce qu'il a tué la famille Singh par vengeance également Vengeance de ses fait licenciés Bon, alors déjà, c'est une excellente. Bravo, Résus. C'est une excellente idée de tuer quelqu'un à qui t'as envoyé des messages de haine pendant une année entière. Excellente idée aussi de reproduire le même schéma qui t'a valu. Euh, on se pige au trou. Résus, au lieu d'apprendre la leçon que la justice a essayé bah, de lui apprendre, à savoir ne recommence pas, non, lui il s'est dit la leçon que je tire de mes 11 années derrière les barreaux, c'est la prochaine fois, pas de bain de minuit. Il faut tuer direct, comme ça, pas de plainte. Je me barre avec le pactole et le lendemain, je me fais pas arrêter. Quatre jours de veillées en mémoire de la famille vont avoir lieu sur la place Bob Hart du centre-ville. Le 6 octobre, le jour de la découverte des corps, un prêtre sikh dirige les prières lors de l'une de ces veillées. Un immense mémorial composé de bougies, de fleurs, de photos, d'animaux en pluche verra le jour sous des drapeaux américains et californiens témoignant de l'affection que beaucoup portaient aux victimes. Nombreux sont ceux qui prendront la parole devant les médias et témoigneront de leur choc, de leur colère. Cet habitant déclare « Peu importe nos origines, notre religion, nos revenus, ici à Merced, nous sommes une seule et même famille ». Parmi les pancartes où figurent les noms et photos de la famille Singh, celle-ci où sont écrits les mots « partis trop tôt » est placée près d'une poupée Barbie dont l'emballage n'est pas ouvert. La ville de Merced publie ces mots sur Facebook « Merced se tient aux côtés de la communauté Sikh ». Les proches endeuillés créent une page GoFundMe qui est toujours ouverte à ce jour pour soutenir les membres survivants de la famille Singh en Californie ainsi que les parents âgés en Inde à qui Jasdeep et Amandip envoyaient de l'argent régulièrement. Malgré sa très courte vie, trop courte vie, Arohi était décrite comme une petite fille joyeuse qui aimait courir dans la maison avec son petit trotteur. Elle adorait être tenue dans les bras de ses grands-parents, de sa tante et de son oncle. Amandip Aman, signifiant paix, était un homme calme, positif, très généreux, un père formidable qui prenait toujours le temps de câliner son fils Ekam et de lire avec sa fille Sirat. Amandip, c'est quelqu'un qui donnait toujours de la nourriture aux organisations locales qui distribuent pour les pauvres. C'était quelqu'un de très croyant qui allait régulièrement au temple. C'était quelqu'un qui était un vrai modèle et un vrai soutien pour ses cousins, entre autres. Les funérailles se tiennent une semaine après les meurtres. La famille, les amis et les membres de la communauté se réunissent pour honorer les vies des quatre victimes. Les funérailles étaient certes réservées aux membres de la famille proche, mais ça n'a pas empêché des centaines de personnes de se présenter et d'exprimer leur soutien. Après le service funèbre, les cercueils sont envoyés à la morgue et les corps sont ensuite incinérés conformément aux coutumes sikhes. Le 11 octobre 2022 a lieu une première audition. Jésus apparaît pour la première fois devant le tribunal lors d'un appel Zoom. Il est inculpé pour les quatre enlèvements, pour les quatre meurtres, bien sûr, mais aussi pour la Dodge Ram, qui a été brûlée et laissée sur le bord de l'autoroute. Et un autre chef d'inculpation, c'est la possession d'armes, chose à laquelle il n'a pas le droit puisqu'il est... Bon, c'est un ex-prisonnier, quoi. Il risque la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Voire même la peine capitale, selon comment va se débrouiller la procureure. Résus ne, ne plaide pas, enfin il ne plaide pas euh, ni coupable ni euh, non coupable. Il attend d'avoir un avocat. Bon bah ben, ce sera toujours mieux qu'un commis d'office. Le juge lui laisse jusqu'au 13 octobre, quand il sera à nouveau entendu par le tribunal. Lors de ses premières auditions, la famille Singh s'exprimera, ils espèrent que ces procédures judiciaires ne s'éterniseront pas et qu'elles les déchargeront d'un poids émotionnel qui pèse sur tous. Alberto, le frère cadet, comparaît le 20 octobre 2022. Il plaide non coupable aux faits qui lui sont reprochés, conspiration en vue de commettre un vol, complicité après les faits, donc après les enlèvements et les meurtres, incendie volontaire et destruction de preuves. Il est représenté par un avocat commis d'office, avocat qui a refusé de faire... Commentaire auprès de la presse. A chaque audience, la famille Singh est présente. Le deuil est encore très long, mais ils sont certains que justice sera faite. Chaque Noël, chaque Thanksgiving, chaque anniversaire qui passe nous rappelle ce que nous avons perdu, déclare un proche de la famille. Comme d'habitude, je l'ai dit un peu plus tôt, mais je le répète si j'ai des informations, s'il y a une mise à jour sur cette affaire, et ben je mettrai ça en commentaire épinglé ou en description. Merci d'être resté jusqu'à la fin. De cette vidéo, c'était une reprise un peu, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué, je le cache pas. Mais voilà, je suis content d'être, enfin, je suis content d'être là. Tu me comprends, je pense que tu me comprends. C'est tout pour moi et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.